Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 15 mai à 8h27. Bon, aujourd'hui allons voir le Pokémon du jour numéro 8 en ce lundi qui est Plumeline. Un type psy. La dernière fois je crois que c'était électrique. Donc aucun problème d'utiliser ces Pokémon là. Puis vu que c'est un Pokémon du jour, ben c'est facile de finir ça. Ok. Fait que c'est ça, ok. Il y a rien qui s'est passé. C'est un drôle de tableau. Bon, pour la sixième fois, est-ce que Plumeline va finir par rester dans la Pokéball? Enfin. Enfin, il est capturé. Et soit dit en passant, encore une fois, ok, il doit force 3 comme talent. Et moi, je dis, moi, je trouve ça aussi bizarre qu'il commence à mettre des Pokémon qui ont force 3. Force 3. J'aime mieux force 4 ou force 5, mais force 3, pour moi, c'est faible. Bon, Plumeline, style Hola. Hola. Non, oula, excusez-moi, j'ai cru que le voir. Voilà. C'est quand je vois pas à cause du ENR. Bon, oula. Puissance de 60. Force 3. Aligner 3 Pokémon augmente les dégâts. Tout simplement. Quand même, pas si pire comme Pokémon, mais moi, le talent, moi, il me laisse à désirer. Pour moi, ouais. Donc, sur ce. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se reverra cette semaine pour commencer ça ici. Allez jouer Sablero de forme Alola de type glace et enfin le défi hyper de Lunala qui est très très difficile, pratiquement pas faisable sans système. Peut-être ça pourrait être possible, mais je suis pas certain, je suis pas convaincu que ça pourrait être possible. À moins peut-être d'utiliser Tête Oubli ou quelque chose dans le genre là. Il est de type C, c'est ça? Non, de type spec, ok. Non, à moins peut-être d'utiliser l'oubli d'Absol, peut-être pour retarder les entraves, peut-être ça serait possible, mais il y a au-dessus de 29 000 PV, fait que ça risque d'être trop. Donc sur ce, bonne journée.